Ce pourrait être un dimanche comme un autre, un dimanche pendant lequel nous nous serions levés pour aller au culte, celui de l'Ascension. Nous serions alors retrouvés avec ceux et celles qui partagent le même banc depuis quelque temps, quand ce n'est pas le même psautier. Mais voilà, un virus nous a séparés, il a placé un mur entre nous, nous obligeant à mesurer ce qui nous sépare, mais aussi ce qui nous permet de nous rapprocher. Une foi commune, une foi en un Dieu qui nous unit. Alors, où que nous soyons en ce dimanche,
Soyez convaincus par la foi qui vous anime que nous sommes ensemble, même si nous sommes séparés géographiquement. Que là où nous sommes, la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Ce matin, il y aura bien sûr les mots de l'Évangile, ceux qui nous redressent, ceux qui nous permettent de sortir de nos tombeaux et qui nous offrent la glorieuse liberté des enfants de Dieu, parce que nous sommes désormais ses enfants. Mais il y aura également le talent de Norberto Broggini et de l'ensemble Aquaviva, capable de faire s'envoler des notes couchées sur le papier tout en élevant notre esprit. Ce seront les notes de la cantate 51 que Bach a écrite en 1730 sur les mots des psaumes 138 et 126. D'abord, il y avait cet espoir un peu fou, l'espoir incarné par cet homme venu de nulle part, venu d'un ailleurs que l'on croyait tellement séparé d'ici-bas qu'il ne pouvait pas en faire partie. Parce que jamais le ciel ne s'était marié si intimement avec la terre, le créé avec le Créateur. Cela ne se pouvait. Bien sûr, il y a longtemps de cela, un prophète l'avait annoncé, avait annoncé la venue, sa venue. Il avait annoncé qu'un vieux tronc aurait un jour un rameau. Mais il y avait eu tant de prophètes qui avaient annoncé tant de fadaises. Mais là, lui, il ne s'était pas trompé. Ce Jésus né d'une improbable union était bien le fils de l'autre, celui dont on ne doit pas prononcer le mot, le Créateur du ciel et de la terre. Il l'avait prouvé à maintes et maintes reprises, tant de miracles, mais surtout tant de paroles si étranges comme celle à propos de l'humilité, de l'amour que l'on devrait avoir pour son prochain, mais aussi du pardon. Alors ils s'étaient surpris, eux les 12, mais aussi les femmes qui le suivaient, ils s'étaient surpris à finir par le croire, croire ce qu'il disait ce Jésus, le croire assez en tout cas pour continuer à le suivre, mais pas tout à fait assez pour mettre complètement en pratique tout ce qu'il disait, parce qu'après tout, ce qu'il disait, cela s'opposait franchement à la loi de Moïse. Moïse, c'était œil pour œil et dent pour dent. Et lui, il disait qu'il faut non seulement se laisser faire, mais qu'en plus, il faudrait donner sa tunique à celui qui voudrait vous la voler. Alors oui, ils ont fini par le croire prudemment, parce qu'après tout, Jérusalem lui avait fait un accueil triomphal. Et eux les 12, eux, ils se voyaient déjà prendre la place des chefs, devenir les princes de son futur royaume. Mais il a tout fait foirer, en se laissant crucifier, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir sans s'opposer à ses bourreaux. Tout ça parce qu'il devait mourir pour, paraît-il, mieux revenir, comme il l'avait dit quelque temps avant. Et là encore, contre toute attente, là encore, il avait tenu parole. Il était revenu 3 jours. 3 jours après. Et là encore, les femmes avaient eu raison. Et eux, les hommes, ils avaient repris espoir. Ils allaient enfin obtenir ce qu'ils attendaient depuis 3 ans, croyant l'avoir amplement mérité à force de privation et surtout d'être l'objet de tant de railleries, mais aussi de quolibets. Le maître, assurément, allait les récompenser de leur fidélité en restaurant le grand Israël, sur lequel eux, les 12, eux, ils régneraient en prince. Voici ce qu'écrivait le psalmiste il y a longtemps de cela. Puissent ces mots être ceux de notre prière. Seigneur, j'aime la maison où tu résides, le lieu où tu demeures, le lieu où demeure ta gloire. J'aime ta maison, et d'ailleurs je me prosterne en direction de ton temple saint afin de célébrer ton nom. Et si je puis le faire, c'est parce que tu es un Dieu fidèle et parfaitement loyal. Tu
Tu as fait bien des promesses à ta création, des promesses que les prophètes ont annoncées. Bien peu d'hommes les ont crues, mais moi, mais nous, oui. Car moi, nous, je sais tes promesses, tu les tiens toutes. Tu les tiens en vertu de ton nom parce que tu es Dieu. Ce matin, nous sommes ensemble bien que séparés. Et c'est toi qui nous relies les uns aux autres parce que tu l'as promis. Toi qui as quitté les cieux pour être comme l'un d'entre nous. Toi qui n'as pas craint de te dépouiller afin d'être de même nature que nous, faible et fragile. Toi, tu as promis que tu prendrais soin de chacun et de chacune d'entre nous, en faisant de nous ta demeure, ton temple. Ainsi, nous sommes désormais la maison dans laquelle tu résides. Tu as quitté le temple pour faire de nous ton temple. Mais pour cela, il fallait que tu t'en ailles. Ce matin, nous nous souvenons de ton départ. Nous nous souvenons de ton ascension. Et c'est ce qui nous rassemble et nous assemble. Donne-nous, là où nous sommes, d'être accueillants de ta présence, de ton Esprit Saint et de l'amour de ton Père. Nous t'en prions. Amen. Time.
À la fin de l'évangile de Luc, il est écrit « Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit ce qui doit s'accomplir. C'est ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans le livre des prophètes et dans les psaumes. » Puis il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent ce qui a été écrit. Et ce qui a été écrit, c'est que le Christ souffrira et ressuscitera. Puis, dit-il aux 12, « Je vous enverrai ce que mon Père vous a promis. » Alors, il les emmena hors de la ville, et là, il leva les mains, puis il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et dans l'Épître aux Galates, il est écrit « Que chacun examine son œuvre, et s'il y trouve un motif de fierté, ce ne devrait être que par rapport à lui-même et non par comparaison à un autre. Aussi, que celui qui reçoit l'enseignement de la parole réserve une part de tous ses biens en faveur de celui qui l'instruit. » Ils étaient simplement 12. Quelques autres, c'est vrai, en plus, insignifiants aux yeux de l'histoire, parce que femmes ou non choisies par le Maître. Ils étaient 12 principaux qu'il avait suivis pendant 3 ans. Et pour cela,
Ils avaient accepté de laisser derrière eux leur famille, leur maison, leurs amis, leur métier, pour aller au-devant d'un inconnu, pour aller au-devant de l'inconnu. 12. Ils étaient simplement 12. Plus quelques femmes qui assumaient, qui assuraient le quotidien, l'intendance. Ils avaient compté sur lui parce qu'il leur avait fait plein de promesses, des promesses qui leur avaient fait briller les yeux et qui leur avaient ouvert des horizons dont ils n'avaient jamais eu les moyens de soupçonner la grandeur, si ce n'est en acceptant de se mettre à sa suite. Ils avaient une fois, oh, juste une fois, essayé de clarifier l'ordre de hiérarchie entre eux. Mais le maître les avait remis à l'ordre en leur disant que le premier serait le dernier, que le dernier serait le premier. En fait, n'importe quoi. Vous le savez bien, le mérite seul compte. La reconnaissance des mérites est la valeur qui permet de se mesurer aux autres. Il y a pour cela des règles. Des règles qui permettent d'affirmer et de justifier que le premier, c'est celui-là qui mérite d'être premier. Et parmi eux, il y avait un premier. Le premier qui l'avait choisi, que lui avait choisi. Les autres, n'étaient que second. Et même si le premier avait été le premier à le renier, eh bien même après ça, il demeurerait le premier. Mais là, il était mort, le maître, le rabbi. Le rabbi était mort. Et pourtant, il est revenu. En fait, contre toute attente, en tout cas contre toute logique humaine. Et en même temps, plus rien ne semblait logique depuis longtemps, depuis 3 ans. Il meurt, il ressuscite, et il s'en va, à nouveau. Alors qu'il aurait dû rester, il aurait dû assumer ce qu'il avait commencé à construire. Après tout, les bases de son royaume semblaient avoir été posées, et sa réputation ne semblait plus à faire. C'est d'ailleurs à cause de cela qu'il avait été mis à mort. Sa notoriété avait gagné le pays entier, ou presque. Et puis eux, les 12, eux, ils comptaient là-dessus. Ils comptaient sur son autorité pour augmenter la leur. Mais c'est comme s'il avait tout saboté. D'abord en mourant, puis en s'en allant, afin de retrouver son père, comme il disait. Mais en ce faisant, il les laissait seuls, comme abandonnés, avec un héritage dont il ne savait que faire, avec un message, une bonne nouvelle, comme il disait, parfaitement irrecevable sans l'aide de quelques miracles dont lui seul avait le secret. Autant dire que pour les 12, c'était mission impossible. Comment voulez-vous faire comprendre? Comment voulez-vous faire croire à un peuple entier et même au monde entier que l'amour du prochain est la seule règle à observer? Et que cet amour, pour pouvoir être déclaré vrai, pur et entier, cet amour doit impérativement passer par le refus de toute prétention à quelque prérogative que ce soit. Comment voulez-vous annoncer la venue d'un royaume dont le roi vient de s'en aller pour la deuxième fois, alors qu'en fait il avait toutes les cartes en main pour asseoir définitivement son autorité? Il avait collectionné les miracles, les paroles fortes, et même, il était ressuscité. Ils en avaient été les témoins, les 12, ressuscités. Le miracle ultime, la plus belle, la plus forte, la plus incontestable démonstration de son autorité. De quoi faire taire définitivement tous ceux qui auraient osé ne pas le croire. Et les 12 avec. Mais non. Non. Il est parti après les avoir bénis. La belle affaire. Mais surtout, il les laissait sans consigne claire, du moins c'est ce qu'il leur semblait. Rien de précis concernant ce qu'ils devaient dorénavant faire de tout ce qu'ils avaient entendu, vu, ce dont ils avaient été les témoins. Eux, les 12, ils auraient aimé avoir des commandements précis du type « tu dois, tu dois pas », quelque chose qui leur permettrait d'être certains, de bien faire. En fait, quelque chose comme une série de lois. Mais ce qu'ils n'avaient pas encore compris, ces 12 hommes, c'est que l'amour, pour être véritable, l'amour doit reposer sur la confiance. C'est là
sa fondation. Le rocher sur lequel s'édifie, il s'édifie jusqu'à prendre forme. Or, les règles qu'il aurait pu leur laisser n'auraient jamais été qu'antinomiques avec l'amour qu'il annonçait et qu'il incarnait. Le Christ, en allant rejoindre son Père, rend manifeste la confiance qu'il a en l'être humain. Et surtout, il lui reconnaît à l'être humain la compétence de se libérer du champ sécurisant du monde des obligations. Et si le Christ reconnaît cette compétence à l'être humain, c'est qu'il la lui a enseignée et qu'il nous croit aujourd'hui encore capable d'en vivre, mais aussi de l'enseigner, de le partager. Allez, et faites de toutes les nations mes disciples. Or, en se disant, il leur demande de rendre témoignage de l'amour qu'il a manifesté pour sa création, mais surtout et bien plus fondamentalement, en ne leur disant pas comment ils devront rendre témoignage de cet amour, il met en pratique la confiance qu'il place en chacun et en chacune d'entre nous. À l'inverse, s'il leur avait dit comment cet amour devrait être rendu manifeste et comment ils devaient en rendre témoignage, il n'aurait alors fait que reconduire ce qu'il était venu accomplir. L'amour sans confiance, ce n'est rien d'autre que de la tolérance, dans le sens voltairien du terme. En ce sens, l'ascension est l'ultime preuve d'amour que nous offre le Christ, celle sur laquelle repose l'amour que nous sommes invités à offrir en toute confiance et sans chercher un quelconque intérêt qui nous permettrait de recevoir un bonus divin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et surtout, aimez votre prochain comme vous-même. C'est là le commandement qu'il nous laisse, nous laissant libres de le mettre en pratique comme nous le pouvons, en vertu de l'amour qu'il a pour nous et surtout de la confiance qu'il a en nous. Alors, avons-nous autant confiance en lui que lui en nous? Amen. Puissiez-vous faire de ces quelques mots votre propre prière? Il y a tant de choses que tu nous as dites. N'ayez pas peur, soyez sans crainte, allez, faites de même. Dans chacune de ces invitations, il y a plus qu'une simple invitation. Il y a d'abord l'absence de doute quant à ce que nous sommes en mesure d'être et de faire. Parce que tu crois que nous t'écoutons et prenons au sérieux ce que tu nous dis, nous t'en rendons grâce. Mais il y a aussi la manifestation de cette confiance complète et sans retenue que tu nous accordes. Nous t'en remercions. Ce matin, nous ne te demanderons pas de nous aider à en être dignes, pas plus que nous te demanderons de l'augmenter, cette confiance que tu places en nous. Parce que tu nous invites à croire que tu n'as pas de doute à notre égard. Nous t'en remercions. Mais ce matin, nous te demandons de nous aider à placer en notre prochain la même confiance que celle que tu nous accordes. Que tu nous aides à reconnaître que l'autre est comme nous le sommes, à ton image, qu'il a la même valeur que nous, et que tu l'envoies comme nous, tu nous envoies, annoncer ta bonne nouvelle. Ce matin, nous te demanderons de nous aider à considérer que nos compétences ne sont ni plus ni moins grandes que celles de notre voisin de banc, le dimanche matin, ou ailleurs. Ce matin, nous te demandons de nous aider à avoir la même confiance en notre prochain que celle que tu as en chacun et chacune d'entre nous. Nous t'en prions. Mais parce qu'il reste tant de choses à dire, à te dire, et que nous sommes tous différents, nous pouvons, là où nous sommes, te dire la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
En ces temps qui nous invitent à la distance, puisse notre Seigneur, celui qui nous fait confiance, nous donner les moyens de ne pas oublier que la confiance qu'il nous accorde est la même que nous sommes invités à accorder à notre prochain. Que Dieu le Père, le Fils et l'Esprit vous donne sa paix. Amen. Thank you.